déplace-moi, vous pouvez plus personne, de toute façon, je fais ce que je veux. Mais arrêtez ça, les filles, de toute façon, toi, tu serais toujours tout le monde, alors. Tout ça, c'est trop nul. Jamais elle se t'as beau leur remercier, elle décrit en sa fille. C'est pas kiffé, y'a toujours des bails avec vous. C'est l'autre là avec son problème. Qui là, c'est moi, super. Et les filles, y'a des gens qui se passent aux fenêtres là-bas. Tu vas voir, nous, ça va faire une pièce de là. Moi, je me sens pas compatrice ici. Là, c'est gagné, les garçons se rapprochent. Vous êtes contentes? Allez, on se tire. Arrêtez les gars, il y a des deux là. Sortez pas ma mère, je vous déchire. Oh galère, vous êtes trop nuls les gars. Pleure pas Benito, tête de veau. On va te rendre le puits la maman. Tiens, ça charrie de sec ici. Oh, ils font quoi eux? Et toi, t'es qui toi? Qui t'a donné l'autorisation de grimper à cet arbre? Personne, on fait ce qu'on veut, c'est notre quartier ici. Ah ouais? Tu fais ce que tu veux toi? Oh, 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 c'est à partir. Allez les gars, donnez-leur une bonne leçon à ces petits joueurs. Oh, 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 c'est ça, une bonne baston pour leur apprendre à venir sur notre territoire. Mon territoire, le terrain, t'as tout le monde ici. Eh bien, plus maintenant, tu piges. C'est le territoire de la triade à présent. C'est quoi le territoire de la triade? Eh ben, c'est nous. Elle est choquée, la tapette? Triade ou pas, moi, on me pousse pas. Oh, dommage, il est encore tombé. Eh, hey, toi, tu trouves pas un pote, c'est compris? Sinon, quoi? Allez, bougez de là, avec une scène. Oh, non. Là, ça doit venir de mon baladeur. Ah non, là j'ai entendu, ça venait pas de mon baladeur. Et oh, qui est là, là? Qui est là-haut? Si c'est une blague, c'est pas drôle. Complètement détruit. Mais les arbres, ça ne parle pas. Elle te voit. C'est pas rendre un petit pas peut être dedans. Ouais, elle est trop de la mal, cette fille. T'as vu l'autre, il est complètement foncé. Qu'est-ce que ça dit, toi? Viens ricaner, passe-moi une autre bière. Ça va, t'abuses, là? J'abuse, foulou cette meuf. Je crie si je veux. Passe-moi une autre bière, je te dis. Et arrête de gueuler. Déjà dit, je gueule si je veux. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh les gars, on a une charmante visite. C'est qui ta jolie fille? Non mais t'es pas bien, arrête d'éclater ces bouteilles contre l'arbre. Oh, autoritaire la demoiselle. On fait ce qu'on veut, c'est notre territoire. Ah ouais, c'est drôle, je vois aucune pancarte qui dit qu'on est sur un territoire de demeurée. Et comment elle s'appelle, la jolie princesse au seul caractère? Tu vas faire quoi? Tu peux même pas tenir droit. C'est à moi que tu casses comme ça? Mais t'es sous, gros débile. Laisse tomber, laisse-la tranquille, de toute façon faut y aller. On ira quand je le dirai. Et toi là, viens ici que je t'apprenne à mieux causer. Hé, hey, t'as entendu ce qu'on t'a dit? Tu ne la touches pas, ok? Le club du quartier complet, on va s'amuser. Ouais, le club d'essai comme quiche. Bouffon, va. Quiche, ça s'écrit pas avec S, mais crétin, oui. Vas-y, répète ça pour voir. Allez, bah, répète viens, on va pas aller ailleurs. C'est ça, j'ai peur. Ouh, allez, dégage. T'es nouvelle, toi? Je t'ai jamais vu par ici. Oui, je suis arrivée il y a pas longtemps. Tu viens d'où? Tu sais pas que c'est dangereux de se balader ici pour une fille? Bah, je viens des Violettes, moi. Je savais pas.
Ah ouais? Eh bien ici, ce ne sont pas les violettes. Ça sent pas la fleur ici. Un conseil d'ailleurs, promène tes baskets ailleurs. T'es givré toi, tu sais pas qu'ils sont dangereux ces mecs. Bienvenue quand même. Ça va? Ah ben, normal. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu disais qu'ils étaient agités dans ce quartier. Ah bon? T'exagères, non? Il y avait des agités dans mon quartier avant, tu sais. En carnaval. Salut. Tiens, on grimpe là-haut pour aller le chercher. Tu crois qu'on n'est pas capable de monter aux armes, nous les filles? Hey Benito, tu joues les jolis cœurs. Oh, tu nous présentes. Moi c'est Sylvia, et vous? Moi, Benny, Beltran, Moulin. Tout rougi. N'importe quoi, t'es lourd là, mec. Oh, Benny, Benito qui rougit, j'y crois pas. T'inquiète, Benito, c'est pas grave. Enfin, mais c'est eux qui me traquent là. Mais te taquine, c'est tout, c'est drôle. Tu vois qu'on est drôle, c'est pas comme toi avec ta tête de mort là. On est drôle. T'as des nouvelles dans le checker? Ouais, je viens d'arriver. Ça se voit, t'as pas l'air relou comme les autres. Les autres? Oh, elles ont juste un peu de caractère et heureusement que j'étais là, sinon j'aurais eu des petits problèmes avec les garçons qui étaient là avant. Quoi? T'es tombé sur ces racailles là? Ouais, et ils avaient tous bu beaucoup de bière. Regardez, les bouteilles là. Ah ouais, chaud. Des gros malades ces gens là, y'en a même un qui a menacé Brahim avec un couteau. Oh bouffon, t'es pas obligé de lui dire, c'est bon, il a pas besoin de savoir. Un couteau? Vous êtes sérieux? Mais c'est hyper dangereux. Et t'as fait quoi? Bah rien, on s'est tiré, c'est tout, c'était con, j'ai bu. Vraiment, tu vois. Ouais, écoute, c'est salut, à la prochaine. Ah, tu comprends? Ah, comme ça. Vas-y, ciao. Vas-y, on va où? Ah, venez, on est calme. Vas-y, go. Vas-y, oh, Benito, ramène-toi là. Ah, il attend ça, chéré, mon petit. Oui, oui. Ah, Benito, viens, allez. Pourquoi? T'es un rancard? Non, mais il se fait tard et je dois rentrer avant la nuit. Et vous en laissez aux autres? Bah t'as qu'à rapiquer toi aussi. Bon bah s'il me semble moi je rentre. Hein. Mais... Garde, voilà la nouvelle. Garde, voilà la nouvelle. Il y a une drôle d'odeur ici. Ah bon? Moi je ne sens rien. Vous faisiez quoi là derrière? Qu'est-ce que ça peut te faire, tes flics? Non, c'est bon, je demandais ça comme ça. Hein. Il y a des choses qui se demandent pas. No time.
time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Working with the people who can work with me, but I never thought that I had it, I never got love. C'est pas menteur, les filles, on vous voit qu'à mal. C'est vrai, mais on est plutôt cool comme mec. Vous croyez qu'on l'a mauvaise pour la dernière fois? C'est normal qu'entre filles vous aidiez. La demande bien, c'était pareil. Solidarité entre filles et tous les deux. J'ai pas raison? Mais ouais, ça on peut comprendre. On n'est pas des sauvages quand même. Et si on fêtait ça? Nous, notre truc, c'est pas l'alcool, on aime pas ça. Ah, je vois que les regards de nos nouvelles amies s'illuminent. Vous, ce n'est pas l'alcool, votre truc. Une petite clope? Eh bien, c'est votre jour de chance. Là, ce sont des cigarettes spéciales. Allez, venez là derrière. Faut ça jouer discrète. Je me rappelle de la fois il y a 20 ans. Et là, on va crier et la peur qui tombe tout seul. Et moi hein? Non, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. C'est les pouvoirs de la cigarette magique. Il est drôle ce mec. Allez, ma Cricri, reste cool, détends-toi. Non, je peux pas, je te dis que je suis malade. Non. Hé hey, les gars, ça va de moins en moins bien. L'épouvantail là. Mais quoi, l'épouvantail, il fuit les yeux tout ou quoi? C'est encore le pouvoir de la cigarette magique. Il bouge, je vous dis. Oh, ça va, Cricri, t'es lourde là. Allez, Tata Camilla va te ramener. Les titres de ce journal. Au quartier des Chaumettes, l'épouvantail continue de terrifier les résidents. D'après la police, il s'agirait d'un canular monté de toutes pièces par des jeunes de cette banlieue tristement réputée pour son fort taux de délinquance. Quelques témoignages recueillis par notre équipe parlent d'eux-mêmes. Je rentrais l'autre soir chez moi, après le boulot, lorsque j'ai aperçu une bande de jeunes courir et en hurlant comme des sauvages. Et là, je l'ai vu. Je vous dis que je l'ai vu. Cet épouvantail, il a toujours été là, au pied de l'arbre du Tétin Vague, là. Mais il a disparu. Tout ça, c'est un malade qui fait peur aux gens. Te fait la police. Mais on est plus tranquille. On est plus tranquille, hein. C'est vrai, hein. Les gosses veulent même plus aller jouer le soir en bas de la résidence. Ah, ils veulent. Quoi qu'il en soit, les autorités ont constaté que depuis la présence réelle et imaginaire de cette épouvantail, le calme était revenu aux Chaumettes, une situation que l'on n'avait pas connue depuis longtemps dans la cité. Non, je suis pas satisfaite. J'en ai vraiment marre de jouer les tueurs en série déguisés en épouvantail. Hein. Ça marchera pas à chaque fois en plus. Hein. Et le pire, c'est mes parents. Pourquoi? Ils se doutent de quelque chose, hein. Ils sont comme les autres, ils s'inquiètent pour ci ou pour ça, alors ben, voilà quoi. Non, vraiment, je pense qu'il y a mieux à faire. Ah. Faut qu'on te parle. On t'a surpris une fois en train d'enfiler le déguisement.
Rassure-toi, on n'a rien dit. Rapport à la police qui traîne partout. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire à présent? Rien. Je vais rester lire au pied de l'arbre. Tu restes souvent seule au pied de l'arbre? Tu t'ennuies pas? Non, il me tient compagnie. Je lui parle et il me répond. Ça parle pas les arbres. Ça, c'est ce que tu crois. Il suffit de se calmer, de se poser et d'ouvrir son esprit. Là, mais t'es vraiment bizarre comme petit toi. Mais c'est pas une blague, hein. C'est pas comme ça qu'on encourage les autres, hein. N'en rajoute pas. Tu lui parlais, là? Oui. Vous voulez essayer? Et comment tu fais ça? Asseyez-vous. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur ce que vous entendez autour de vous. Et plus loin. Waouh, c'est flippant. J'entends les battements de mon cœur. Ça peut faire ça au début. Il ne faut pas avoir peur. Ça veut au moins dire que t'es vivante. J'entends rien, moi. Par les gens qui parlent fort dans la cité et les sirènes de police qui arrêtent pas de sonner. Ça, c'est ce que t'entends près de toi, mais si t'écoutes plus loin. Et moi, le RER, je passe de l'autre côté du pays. Benito, c'est toi qui m'as parlé? Mais t'es malade, j'ai rien dit, moi. C'est pas drôle si c'est encore un des trucs, là, Sylvia. J'ai rien fait, moi. Je suis là avec vous. Que belle entente, ça veut dire. Ouais. Je vais dire ça aux autres. Se moque de toi comme d'habitude. Elle a pas tort, hein. Vous voulez me faire venir ici pour qu'il tente l'expérience comme vous? Et comment? Oh, j'ai une idée. Et si on disait qu'on organisait un gros stuff? Ah, ça pour faire la fête et le chahut, ils vont tous venir, c'est sûr. Ok, c'est parti. Chapeau Sylvia, sur ce coup-là, je dirais que réussir à faire danser tout le monde, surtout aux chômettes. C'est quand même mieux que de boire, de fumer ou de faire n'importe quoi. Tiens, regardez qui voilà. Thiago et ses potes. Oh non, oh non, encore eux là, oh. Tu vas où? Bah, tu vas où? Tu vas où? Eh mais reviens. Elle fait quoi? Pourquoi vous arrêtez la musique? C'est la fête du quartier, non? C'est vrai, c'est pas cool. En plus, on avait amené les bières. Et les cigarettes qui font rire. Comme ça, on ira tous ensemble. On n'en veut pas de vos bières. Vous avez rien à faire là. Et vos cigarettes magiques, pareil. T'as pigé? Vous les entendez, mes amis? Une rébellion dans le quartier des Chaumettes. Faudra remettre de l'ordre à tout ça. C'est bon, t'as compris? Tu dégages maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Oh! Thiago, c'est encore lui, on se tient. Allez. C'est chaud là-dessous, c'est la dernière fois que je fais ça. Quoi? L'épouvantail, c'était toi? Oui. Mais Motus, hein, faut pas que tout le monde soit au courant. On va rien dire. Au quartier des Chaumettes, le calme est revenu après l'affaire de l'épouvantail. Des jeunes du quartier ont même pris la décision de créer une association junior pour organiser de multiples activités culturelles et sportives. Sensibles à cette initiative, les élus de la ville envisagent d'étudier la construction d'un local sur l'unique terrain vague qui restait encore libre dans le quartier, ce qui permettrait à cette jeunesse active de réaliser leur projet, dont le premier sera de replanter des arbres afin de créer un espace vert pour tous. People be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who be following me when I never thought it would happen and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a race. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Counted up on my two hands. If you wanna talk, I need two bands. I don't play around with no loose ends. And I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan. But if you were willing to sacrifice when I roll the dice, then I'm counting you in. Say once, day once. No time for fake ones. Got me, I got you. All dreams, they come
come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make amps. No time for fake friends.